Nicolas Lozina, le chef du RDM du CROSS, réagit, écœuré, vidéo. Pour la première fois dans le CROSS, les chefs de famille sont en danger. Chez les Marseillais. Julien Tanti est un danger depuis l'arrivée d'Honoré qui veut prendre sa place de chef. Depuis le début du tournage, le roi des problèmes semble moins motivé que les autres saisons. Point. Une attitude remarquée par Maëva Guénam et Océane Animé qui ne serait pas contre l'élimination de Tanti. Côté reste du monde, Nicolas Lozina est également sur la sellette. Sa famille pense qu'il a fait son temps et qu'il se repose sur ses lauriers. Alors, Nicolo Ferrari et Clarisse commencent à mettre une stratégie en place. Ils font croire qu'ils élimineront Kayla à la prochaine cérémonie, mais pensent voter contre Nicolas. Si le dernier épisode va laisser les téléspectateurs sur leur faim, on apprend que le chef du RDM va être éliminé dans l'épisode de ce soir. Alan, le cousin de Nicolas Lozina, se fait berner par son ex Clarisse et par Nicolo. Toujours irrité par l'élimination de sa chérie Victoria. La jeune femme scelle un pacte avec Alan et continue de lui faire croire qu'elle votera contre Kayla. Point. En danger, Kayla a également promis à Nicolo de voter contre son chef, quitte à décevoir Greg. C'est toi ou lui. Sois intelligente et suis la stratégie, lui assène Nicolo. Avant de partir pour la cérémonie d'élimination. L'heure est venue. Les trois équipes se tiennent devant Catalia pour le décompte des points. Sous le choc, l'équipe du reste du monde découvre qu'elle va passer en zone de vote. Mais coup de théâtre, Océane décide d'utiliser sa carte d'immunité pour protéger Kayla. Nicolas, tiraillé, vote contre Nicolo, tout comme Alan. Alors, Kayla et Clarisse vont-elles suivre la stratégie et voter contre leur chef? Eh bien oui. Dans un extrait de l'épisode inédit déniché sur Twitter, on découvre que Nicolas Lozina a bien eu trois voix contre lui. Le Lord va donc devoir quitter la compétition. Sachant que l'épisode inédit sur Salto a été diffusé, Nicolas a reçu énormément de messages. Il réagit sur son canal Telegram, « Les gars, je ne sais pas quoi vous dire. Je n'ai pas envie de vous spoiler mais le dégoût et la rage commencent à me monter. Franchement, je n'ose même pas regarder tellement ça me répugne. Je viens de voir quelques passages en exclus. Je préfère attendre la diffusion demain avant de réagir. En tout cas, en interview ça me clash beaucoup, mais en face il y avait personne. Guillaumet. Je pense que je ne regarderai tout simplement pas pour ne pas être déçu et écœuré. En tout cas, j'ai vu des passages qui m'ont dégoûté, a-t-il ajouté en story Instagram. De leur côté, les téléspectateurs ont plutôt l'air de se réjouir de la situation, quelle jouissance de voir Nicolo faire sortir Nicolas et tout ça derrière son dos. C'est littéralement le meilleur coup de maître de l'émission jusqu'à présent. Nicolas faisait juste acte de présence. Il ne servait à rien. Il gagne même pas d'épreuve. Point. Virgule Nicolas, il sert à rien. C'est lui le maillon faible de son équipe. Il mérite de partir, mais grave, chut.